Salut les amis, c'est Tilox et aujourd'hui je vous présente une magnifique usine à pastèques à melon et à citrouille dans Minecraft. Donc l'usine se présente comme ceci, voilà. Donc je vais augmenter la vitesse de pousse pour vous montrer tout de suite. Hop, on va mettre à 50. Voilà. On peut voir que dès qu'un melon pousse, il est coupé, enfin il est détruit par le piston, voilà. En gros, le système il fonctionne comme ça, c'est que dès qu'un melon pousse, sa forme, le bloc va changer, donc ça va créer une update à l'observer bloc qui va le détecter, qui va envoyer une impulsion de redstone ici. Et ça va casser avec le piston qui est là, voilà. Et donc le système est pas plus bête que ça. Après, pour la récupération des items, on peut voir qu'en dessous, on a hop, des rails et un minecart entonnoir qui aspire, voilà, et qui tourne. Et après, on a plein de loot, voilà. Donc les amis, on va commencer la construction du système. Donc vous avez besoin de toutes les ressources suivantes, voilà. Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo pour bien voir les ressources qu'il vous faut. Donc moi, je vais me mettre en mode survie, hop. Je vais casser le coffre. Donc pour commencer, on va d'abord faire notre chemin de rail. On va placer hop. Donc bah les amis, on va placer hop ici un rail. Après un rail booster. Après 3, 4, 5, 6, 7, 8, un rail booster. Et 9, un rail normal. Hop. Après on fait le tour. Tac. Il faut penser à casser ce bloc. Voilà. Et après, on fait une symétrie de côté, donc hop, un rail booster, hop, des rails normaux, tac, un rail booster ici, hop, et des rails normaux. Donc vous devrez arriver à un truc comme ceci. Donc on va alimenter ces rails, hop, en mettant un bloc ici, une torche, tac, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on va placer le coffre pour récupérer les loots. Donc on va placer un coffre là, tac, un second coffre. Notre entonnoir, voilà, et le rail. Donc, faut s'accroupir et faire clic droit sur l'entonnoir pour placer le rail. Autrement, si on s'accroupit pas, bah, on va rentrer dans l'entonnoir. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, après, ce qu'on va faire, remplacer la terre. Hop, terre labourée, tac. Je vais faire un petit escalier, voilà. Donc, sur les rails, on place de la terre, voilà, tout simplement. Et voilà. Donc vous avez vos rangées de terre comme ceci. Après on va placer l'eau. Donc pour placer l'eau, on va placer des. Je vais vous montrer une astuce. Hop, on va placer des escaliers. Donc un escalier comme ça. Voilà. Donc en cliquant, on va sur le bas du bloc. Après un comme ça. Donc pour voir qu'on a un angle. Donc on a un coin. Hop, on continue comme ceci. Et pour le dernier, on se met bien comme ça dans l'angle ici. Hop. On fait clic droit. Et comme ça, on a une rigole d'eau. Qu'on peut remplir d'eau directement. Tac. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va labourer la terre. Et on peut labourer la terre parce qu'elle est connectée avec de l'eau. Voilà, donc on laboure la terre. Après on va planter nos graines. Donc on va en mettre une graine ici. Donc pas sur le premier bloc, sur le second bloc oui. Et après on alterne un bloc vide, une graine, un bloc vide, une graine. Hop, pareil de l'autre côté. Hop. Tac, tac, et tac. Voilà. Après on va placer les observeurs. Donc pour ceci, hop, on va se mettre de l'autre côté et on va faire clic droit sur la plante. Voilà. Tout bête. Donc maintenant, on va passer au piston. Donc vous cliquez, hop, comme ceci, sur le bord de l'observer bloc. Tac. Hop, pareil de l'autre côté du coup. Et voilà. Maintenant, on va placer derrière. Ce qu'on va faire, on va placer des blocs sur les observeurs. Hop. Et en dessous. Hop. Et on place des blocs en dessous. Comme ceci, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va placer une redstone. Hop. Sur chaque creux. Donc, hop, une redstone. Pas ici. Tac. Et voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc les amis, j'ai tout placé. Il ne nous reste plus qu'une chose. C'est placer le wagonnet à entonnoir. Donc on va faire comme ceci. Et là, on va devoir être rapide. Pour qu'il démarre, il faut placer un bloc plein. Donc là, hop, je le place, je le casse. Tac. Et hop, on remplace le rail. Et comme ça, hop, il tourne à l'infini. On aurait pu aussi le placer avant de mettre la terre. Ça marchait aussi. Donc les amis, là, vous pouvez voir que la machine, elle marche méga bien. Après, on peut améliorer le système en rajoutant. Il faut mettre des blocs ici.
tac, comme ceci. Donc il faut passer des blocs comme ceci ici, du long. Comme ça, après les pastèques, elles tombent bien dans le creux et ils sont bien récupérés par le minecart en noir. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez mettre aussi des blocs là. Voilà, et faire comme ceci. Voilà, mettre des blocs autour. Voilà, ça peut aider aussi. Voilà. Voilà. Donc, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire. Dites-moi aussi quelle autre usine vous voudrez bien voir sur cette chaîne. Voilà. Donc, sur ce, c'était Tileox. Je vous dis à la prochaine.